Bonjour, bande de vous coquins. Alors, aujourd'hui nous allons jouer à... En fait, on n'est pas vraiment aujourd'hui parce que j'ai pas vraiment fait grand chose. Ah, c'est pratique quand on peut enregistrer instantanément le son de sa voix dans un appareil. Sauf à part le bourdonnement, je sais que c'est casse-couille, mais essayez d'y faire part. Soyez patient, si vous voyez ce genre de la vidéo, ça va être corrigé dans quelques temps. Ici, normalement, je vais voir dans la semaine si je n'ai pas trouvé un séparateur, ça s'appelle un séparateur de terre audio, un séparateur de terre audio pour filtrer le son, le bourdonnement de la... du micro, en fait, du passage du son, donc ce que vous entendez en ce moment même, le bruit de TV là, bah ça règle ce souci là tout simplement. Donc soyez patient. Ici on fait juste que jouer comme ça pour le plaisir. Je vais vous montrer un serveur web. Non, c'est pas ça que je vais vous montrer. Je vais tout simplement vous montrer un truc que j'adore. C'est une sorte de Minecraft-like, mais avec les shaders, qui prouve qu'il y a peut-être possibilité de mettre des shaders dans Minecraft. Regardez, eux, ils ont réussi. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Des woubou coquins en main. Ça vous donne pas envie de jouer? Non, je vais me dire. Regardez, des woubou tout doux. Tablette sonne, mais je n'en sais point. Attendez, je vais vérifier. Ouais, je vérifierai après. Là, je suis occupé. Voilà à quoi ressemble ce magnifique monde. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique. J'ai désactivé parce que c'est pas intéressant. Mais voilà, en bref, ce qui est bien avec ce mode là, en fait, tout ce qui est bien avec ce système là, c'est que en fait, vous pouvez tout simplement faire. Mais il y a des shaders en fait, c'est ça qui est trop cool avec ce mode de Minecraft là. C'est ce que je kiffe. Regardez-moi comme c'est beau avec cet halo de lumière. C'est pas plus ouf le fond. Bon, après, quand on a la tête vide comme moi, c'est pas facile de faire des choses. Mais c'est stylé. Tu vois ce qui prouve. Enfin, vous voyez ce qui prouve qu'il y a peut-être possibilité de mettre des shaders. On demande pas que ça soit des shaders ultra badass, mais des shaders comme ça c'est possible, puisque ici c'est possible. Donc il n'y a pas d'excuse, je veux dire que c'est juste de la fenêtrerie. Oh merde, j'ai cassé. Non! Ouh, c'est enfoui! Non! Enfoui. Bien. Alors. Ah. Ouais, il faut que je me rappelle les commandes, j'ai pu jouer depuis longtemps. Bon, ou enfoui, ou réapparition comme on dit. Hop. Voilà. Un ou coquin de retour dans maison. Et un ou coquin dans zone. C'est parfait. On a un nouveau coup ou coquin promenade. C'est parfait.
Un petit toutou. Son comique. Alors, ici vous avez Death Note, mon ancien pseudo. Ou INC. Trop cool. Trop cool. Voilà. Je suis un peu fatigué, je m'en doute pas. Vu l'heure où j'ai dû me réveiller, ça m'étonne pas. Hein. Mais au moins, je suis tranquille avec cet appart, avec cette commande, bon Dieu. Si je fais ça, je place là en fait, je tape pas. Ma saute, encore ou coquin, c'est cadeau. Un ou tout doux. Oula, j'ai des bugs. C'est fluide. Hein. Bon, après, je vais pas rester 10 ans, mais d'ailleurs, je vais bientôt arrêter. Mais voilà, c'était pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Après, du coup, pour on peut accélérer le temps. Le problème avec ce. Cette map, c'est qu'on peut pas jouer en ligne. Le jeu est beau, certes, mais on peut pas jouer en ligne avec des gens. C'est mort, quoi. J'ai ces maps depuis un an ou deux et ça n'a pas bougé. Il n'y a pas eu de corruption, mais il n'y a pas eu non plus pour autant de sauvegardes, non. De nouvelles mises à jour. Donc, pareil. Mais voilà, c'est bon, il n'y a pas trop de soucis. Grillé. Voilà. Et comme vous voyez, en effet de nuit, ils ont bien pensé à faire aussi des petits effets sympas de lumérification. Regardez-moi comme c'est beau. Wow, impressionné. Elles se sont gavées. Etc. Etc. Et à chaque fois, c'est comme ça, quoi. Regardez, à chaque fois, vous avez une planète Saturne qui passe. Des effets de deux étoiles. Et il y a quand même du taf, je trouve, quand même, pour un truc qui coûte que 8 euros. Parce que je rappelle, ce jeu ne coûte que 8 euros seulement. C'est Discovery, ça s'appelle. Et ça coûte que 10 euros. Je rappelle. Je vous montre. Hein. Non, pas ça. Regardez, Discovery. Et ça coûte qu'une bouchée de pain. Enfin, je veux dire, par rapport à Minecraft, ça coûte que dalle, quoi. Mais le problème, c'est qu'on peut pas jouer en ligne. Je vais vous prouver. Hein. C'est pas compliqué, on a en même temps de vous prouver. Déjà, vous pouvez sauvegarder, ça c'est bien. Hop. Oui, j'ai sauvegardé deux fois. Voilà. Vous voyez, je peux pas aller plus loin. On est. Voilà tout ce qu'il y a. Options, graphisme, acoustique, contrôle. Commencer le jeu, et comme vous avez compris. Il n'y a pas du tout d'autres trucs. Créer mondial, ça veut dire faire un nouveau monde.
Voilà, c'est tout quoi, il n'y a rien d'autre. C'est ça qui est vraiment dommage, c'est qu'on peut pas en fait jouer en multi. C'est dommage qu'ils l'ont pas mis parce que sincèrement ça aurait plus d'intérêt. C'est un peu pour ça que ce jeu a floppé. Mais après, je présume que s'ils auraient mis multi, ça aurait coûté peut-être 4-5 euros de plus. Donc 14-15 euros en fait. Au lieu de coûter 8 euros. C'est aussi un peu pour ça que c'est pas si cher. Donc voilà, tout est dans le prix, mais bon. Quand même. Donc là, vous voyez un peu ce que je fais en ce moment. Enfin, pas en ce moment, ça date de quelques mois, ça, mais j'étais en train de faire un truc comme ça, voilà. Par contre, les personnages sont moches. Voilà à quoi ressemble mon personnage. Il est complètement hideux. Après, vous avez un mode bizarre, c'est celui-là. Oups. Voilà, la caméra ne bouge pas. Est-ce que c'est un effet artistique? J'en sais rien du tout, mais c'est un peu chelou. Voilà, ça sert à rien. Mais donc non, je sais pas. Voilà, c'est tout pour ce jeu, hein. C'était pour vous montrer un peu ce qu'il y avait comme jeu. Enfin, le jeu là. Et je vous dis à bientôt, c'était Mister Wu. Et c'est d'ailleurs la dernière vidéo pour aujourd'hui parce que il se fait tard, donc je vais arrêter ici hein, après. Je me suis amusé avec le test de la télécommande et tout ça. Elle fonctionne super bien. Tout fonctionne pas, mais je présume que c'est peut-être pour d'autres raisons. Mais en général, la télécommande a l'air de bien fonctionner. Elle est fonctionnelle. Donc voilà, je vous dis à bientôt. C'était Mister Wu. Portez-vous bien, bande de Wu, coquinou. Un peu plus. Bande de trutru.